Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, mais bon, il n'y a personne, c'est pas grave. Je me fais un live. Hello, hello, how are you? Yes, it's Chinese. A little scope in the flower. Problème. Apparemment, il y a un problème. Amerston. Hello, Amerston. Hello. How are you? Thank you, thank you, Amastron. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes, beautiful. Bonjour Mathilde. Hello, hello Lily, ça va? Ça va Lily? Ça va Mathilde? Oh.
Ouais, ça va très bien, merci Lily. Non, ça va. Il a plu tout à l'heure, mais bon, pas là. Ça s'est calmé. Donc tranquille pour faire l'immersion dans le cerisier, comme tu vois, depuis quelque temps je le fais. Histoire de... Ah, c'est pixelisé. C'est étonnant. Pourtant, ah, je suis même en 5G. Pourquoi pixelisé? C'est bizarre ça. L'image est impeccable. Ah bah tu vois, du côté de Mathilde c'est nickel et de ton côté c'est... C'est machin. Ah, c'est parce que tu habites à... Parce que tu habites au fin fond de la campagne, Lily. C'est là que ça pixelise? T'as la fibre? Oui, mais la fibre, c'est pas ton réseau cellulaire, la fibre. Tu regardes sur ton PC? Non, pas possible. T'es sur iPad? Wi-Fi? Wi-Fi? Merci pour les invites. En Wi-Fi? Oui, parce que le Wi-Fi est un partage de connexion. Ce n'est pas une connexion pure. L'idéal, c'est d'avoir le téléphone ou bien une tablette avec une carte SIM. Et là, tu auras une connexion pure. Donc, je suppose que Mathilde est avec un téléphone. Le Wi-Fi est un partage. Donc tu as plus ou moins des pertes de flux. Mais je pense que si tu regardes la rediff sur ton téléphone, tu verras que ça sera beaucoup mieux, je pense. En passant bien sûr par la 4G, hein. Ah oui? Comment ça se fait? I wish a good day, epic humil. Ok, thank you, Mathilde. Pas de périscope sur téléphone. Bye, Mathilde. Pourquoi pas de périscope? Pourquoi pas de périscope sur téléphone? Ah, les contraintes employeurs. Ah ouais, d'accord. Okay. Tuteur toléré. Ah ouais, à ce point-là. Eh bien, remarque, dans quelques temps, on sera sur Twitter. Parce que franchement, j'ai tenté Apps,
Lily, c'est... Qu'est-ce qu'il y a comme latence dans les images? Dans la vidéo, il y a de la latence et tout, c'est... C'est affreux. C'est dommage parce que... Il y avait quand même des abonnés, quoi. Tiens, les pétales qui tombent. Alors, peut-être que Twitter Live sera beaucoup mieux, sera amélioré, quoi, je veux dire, qu'actuellement. Apps, c'est pas mal quand même. Ouais, mais t'as beaucoup de latence dans les images. C'est ça que je regrette. Et tu sais très bien que j'aime le visuel. Twitter Live, c'est bien, oui, je pense que ça va être bien. Avec Squad, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien là. Tu vois? Celle-ci est sympa. Celle-ci est superbe. Elle est magnifique celle-ci. Hein. Bon, oui, bon. Bon week-end, tu vas me dire? Ah, tu dois filer. Comme une étoile. Lily Sky, Sky, Skyline. Toujours dans le ciel. Ah, moi j'ai lancé vite fait, histoire d'eux. Ça aussi c'est joli. Bonne fin de journée, Lily. Avec ce petit croisement dans les branches là. Le lichen qui est là. Tout le lichen. Il est bien fourni quand même. Il est très beau. Magnifique. Juste magnifique. Celle-ci qui est cachée sous la branche. Légèrement cachée sous la grosse branche. Quelquefois, on voit quelques gouttes d'eau sur les fleurs.
Pas tout le temps, mais on en voit. Bonjour Salema. Hello Jess. Ça va Jess? Merci Jess. Ça va et toi? Ouais, c'est chouette, c'est beau. Hein? Cerisier japonais. C'est l'approche du printemps, oui. Merci, Salima. Merci, Jess. C'est sympa. On voit les fleurs de très près, c'est ça qui est sympa à faire. Je l'avais déjà fait, comme je l'ai dit, je l'avais déjà fait l'année dernière. Exactement la même chose, le même principe. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas cette année encore? Ça peut être des lives sympas, ça peut être tranquille. Merci Salima, merci, c'est très gentil de ta part. Regardez celle-ci. Avec les deux petits boutons qui sont là. Pourtant, ce n'est qu'un téléphone. Hein. Ce n'est qu'un téléphone. Le focus il est très efficace, c'est surtout ça. C'est du Samsung. C'est du Samsung donc. Après, d'autres personnes vont me dire non, c'est Apple, etc. Moi, personnellement, peut-être. C'est vrai que j'aime la photo aussi. Et quand on aime, généralement, on le fait bien. Mais les Samsung ont des très bons appareils photo. Après, les processeurs d'Apple vont me dire, ouais, c'est iPhone. Allez, chacun prend ce qu'il veut. C'est pas très grave. Moi, je pense que ce sont les Samsung. Oh, tu sais, quand je possède un téléphone, j'essaye de exploiter au maximum, de regarder toutes les fonctionnalités, tous les paramètres, etc., etc. Mais bon, pas toujours facile. Tiens, il y en a une qui se balade toute seule là. Celle-ci est toute seule. Même pas, même pas, même pas, même pas. J'ai pas besoin de lire les notices. Je prends menu par menu, j'explore.
Et après, je vais ce qu'on appelle l'option de développement, qui peut changer certains paramètres. Il faut tapoter sur certaines lignes et après tu l'as. Ce qu'on appelle l'option de développement. Bon après, bon. Chacun son truc. Son truc. Chacun son truc. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Très 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 drôle. Je me demande bien si l'année dernière il était comme ça. Je me demande. Mais là, il est. Il est magnifique. Avec la statue sur le côté. On va s'éloigner pour lui donner un peu plus d'amplitude au niveau de l'arbre. Et garder en. Avec les deux statues là, c'est sublime. Je t'en prie. Voilà, je vais couper là. C'était un bref live. Allez, bonne journée à tous, bonne soirée. Ciao. Salut les Soum. Bisous les Soum. Ciao. Bisous, ciao. Prenez soin de vous.